Eh bien salut à tous les amis, c'est moi Lox, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre Let's Play sur Ace Combat 7, The Skies Unknown. J'espère que vous allez bien, et oui, fin de semaine, bientôt vendredi, donc bientôt le live, sur YouTube, comme d'habitude. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, pour ma part ça va super bien. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, on avait fait la mission 6, Long Day, tout simplement, où c'était tout simplement du nettoyage, voilà, rien de très pertinent. Je crois qu'on en a perdu un dans l'escadron Spar et il y en a un qui est parti en isolement, je crois, si je dis pas de conneries. À la fin de l'épisode 4, on avait donc le débrief de la mission 7. Voilà, la mission 7 que je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, je crois. Premier contact, un truc comme ça. On a passé le débrief, on va aller sur l'arbre de recherche tranquillement tous ensemble. On va voir si on peut acheter un nouvel avion. Ou quoi, combien j'ai. Ah, 178 000 quand même. Ah, c'est très intéressant. Alors pour le moment, c'est vrai que j'ai pas encore acheté tout ce qui sert à améliorer l'accélération, tout ça, tout ça. Peut-être que... je sais pas, parce que j'ai le F2E, je crois, ou F4E, je sais pas, c'est tellement loin en fait que je vois pas bien. J'ai celui-là qui pourrait être intéressant, mais je sais qu'en vrai, si je débloque cette chose-là, améliorer la manœuvrabilité pendant le lacet, améliore la manœuvrabilité pendant le lacet, voilà, on va y arriver, vous inquiétez pas. Je me dis que si j'améliore ça, je pourrais peut-être débloquer cet avion-là, qui coûte extrêmement cher d'ailleurs. Et celui-là aussi, par la même occasion. Et là, si je continue, je sais que je vais débloquer le Gripen E, si je dis pas de conneries. Et là, c'est pareil, enfin, il me semble qu'il faut que j'achète... Donc je sais pas, franchement je sais pas, j'hésite. Étant donné que cet avion coûte 105 000 et que ça coûte 10 000, non ça coûte 10 000, voilà, on va peut-être acheter ça, histoire de continuer à notre arbre de recherche, tranquillement, tous ensemble, voilà. Donc là tu me débloques ça, pour moi tu es censé me débloquer le FA, le FA-18F, et tu es censé me débloquer le A-10C, voilà, très gentil mon ami. Je vais peut-être prendre celui-là, c'est le F2A je crois si je dis pas de conneries, il y en a assez pas mal donc je vais peut-être l'acheter. Voilà, toujours cette fameuse cinématique qui dit que vous avez acheté un nouvel avion, c'est bien. Voilà, qui ressemble beaucoup au F-16 quand même je trouve. D'ailleurs, petite précision. Vous avez débloqué un nouvel avion, merci, c'est très gentil. Voilà, donc ça c'est pour braquer. Alors maintenant, on va peut-être zoomer encore un peu. Il me faut quelque chose qui détruit les cibles aériennes au cas où. Donc ça c'est pour les bateaux, ça c'est pour les avions, et ça c'est pour... c'est des autres. On va peut-être acheter celui-là si j'en sais, ouais j'ai assez, donc on va acheter celui-là. Hop là. J'essaye quand même de... surtout le let's play quand même, une nouvelle mission. Enfin, surtout le let's play, j'essaie de faire 30 minutes où il y a une mission et avec un nouvel appareil. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est comment dire, c'est voilà, c'est voulu, enfin, c'est cherché par moi quoi. Donc, alors, on va prendre le F2A qui n'a pas beaucoup de défense mais qui a l'air quand même pas mal en vitesse et en maniabilité. Donc, on va faire ça tranquillement. On va prendre les missiles qui permettent de détruire les cibles aériennes, missiles à verrouillage RR, et on va tout simplement se déployer. Alors il me semble que c'est une mission pas très simple parce que c'est sur des plaines de montagnes, il y a plein de creux, tout ça et tout, donc... ah, j'ai pas changé la... Tant pis, on verra après. Quoique je me dis, peut-être les pièges je devrais garder pour le meilleur avion du jeu. Je sais pas. C'est une idée. Parce que là ça va, enfin, je veux dire, franchement ça va, je galère pas trop. Peut-être à la limite le placer sur un avion bombardier ou un truc dans ce style là, mais ou alors peut-être que je garderai pour le meilleur avion, simplement. Voilà. Meilleur avion que je n'ai toujours pas trouvé d'ailleurs, hein. Je pense qu'à mon avis il doit être vers le milieu de la recherche. Ok, ça démarre comme ça, il y a beaucoup de cibles rouges, donc voilà. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord. On va accélérer, on va faire attention aux nuages qui ne gênent pas l'avion quand même. Ok, je me suis mis sur la cible TGT. Voilà, là je suis sur la cible TGT. Donc on va s'occuper des cibles TGT dans un premier temps et après on verra ensuite pour faire le ménage. Je le sens pas là, voilà, merci. XAM, donc ça c'est quelque chose qui tire énormément de missiles. On va ralentir.
Ok, faut que je le prenne dans l'autre sens. Enfoiré! Enfoiré, il m'a tiré dessus. On commence à m'éloigner, tranquille. Ah, le but des Escomba, c'est toujours d'abord en priorité de s'occuper des cibles TGT. Ça, ça garde la pêche, mon gars. Si tu veux, on causera. Il est où, lui? Là, je suis en train de ralentir comme un enfoiré. Ah, ouf. Putain, c'est pas évident. C'est clairement pas évident. Ok, on va se léger vers là. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où je vais pouvoir les viser tranquillement? Ok, bah toi déjà je peux te viser. Et toi je peux te viser, ok. Détruit, ok. On va se diriger vers la nouvelle cible TGT. D'abord on va s'occuper des TGT tranquille. Parce que c'est des missions avec le temps, donc je préfère privilégier d'abord les cibles TGT. Après, quand je vous ferai l'autre Ace Combat à sous maison que j'ai sur mon ordinateur, on verra. Ce sera pas pareil, il n'y aura pas le temps, donc je pourrais prendre le temps de détruire tout le monde. Donc voilà. Ouais, c'est ça, tu m'as tiré, c'est possible, on te croit. Ok, ensuite. Mission doesn't require you to talk. Use your head as well as your hands. Righto. Putain, avec les nuages, c'est pas évident. Sam sights down. Keep destroying the facilities. Voilà, donc là les cibles TGT c'est fait tranquille. Donc maintenant on peut s'occuper de faire le ménage. Il y aura sûrement d'autres de cibles TGT, je pense. There they are. Leave this one to our friends. Wish we'd use that hole to get home too. Things don't always go perfectly. Ok, donc là il faut les protéger. Ici on vise un chou. Par contre ça me fait peur un peu les éclairs là quand même. C'est pas que je veux être méchant, mais voilà quoi. Pas que je veux faire ma cagette, mais voilà quoi. Voilà. Ouais, toi, dis-moi que tu meurs, dis-moi que tu meurs. Ok. Ah non, il y a le vent en plus. Ok, c'est pas fun. C'est vraiment pas fun là ce que je vais bouffer. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette mission? Ah, réussis toi. Foiré. Allez, crève. Voilà. Keep them safe. Ok. Cyclops 3, evade that missile. Allez, crève aussi. Raté, ok. Allez, c'est bon. La passe. Comment ça, raté? Échec de la mission. Oh putain. Sérieux?
Sérieux? Bah, essayer depuis point de contrôle, oui, mais oui. Putain, je suis pas assez réactif, mais en même temps, si avec les nuages, la distance puissante et tout, c'est pas évident quoi. Get them out of there. Not even one is to go down. Destroy the UAVs. That's impossible. I'm not sure I'm here to help us some assholes I don't know shit about. As I say in my house, there's a thin line between bravery and stupidity. Putain. Trigger's been struck by lightning. Calm down. Check your HUD for errors. You'll make it if you don't panic. Hey, I own you. Take your element. Allez, l'avion. Sitôt. Nice work for a dumbass. Allez. Ok. Essayer d'être un peu plus rapide. Help by getting in between them and the UAVs. Ouais, ouais, c'est ça, vas-y, on va esquiver l'éclair quand même, hein, voilà. Putain. Elle est pas évidente cette mission, hein. Franchement, si je commence à bloquer ici, on va pas s'en sortir. Allez. Putain de merde. C'est pas grave. Faut d'abord que je m'occupe de ces enfoirés là. Je vois que c'est bon. Putain. Allez, je vais pas te courir deux ans après. Cyclops 1, check your six. Ça passe.
just one fighter. Oh putain. Cyclops 1 is breaking off. He could have broken off any time if he was by himself. Spare 15. All UAVs in the vicinity confirmed destroyed. Nice teamwork. Thanks. Who is that? Tell him I'm grateful. Copy that, Cyclops 1. Spare squadron. Mission is complete. Return to base. Wait a minute. Hold it. No, give me a break. You have more choice for us? Spare 8, champ. Bogey approaching fast from the rear. All available units, support Spare 8. I don't need any support. This is all mine. Damn it. He's close to my tail. Still not firing. I ain't afraid of it. Spare 8, no dogfighting. Negative. I'm not letting this slide. Woo-hoo! Je vais pas te lâcher, mon gars.
Spare 15 caution. If your plane gets beat up, you're a sitting duck. Doesn't miss an opening. The guy's a goddamn flying wizard. C1, this is C2. My status is fine. Do not interfere. C1, clouds are moving in. Let's return to base. Affirmative. What? Bandit is retreating. He managed to survive somehow. Ok, le jour où je pourrais me le faire, je vais me le faire direct. Kindness gets you killed. Hey guard dog, who's the guy who worked his ass off at the rear? The biggest dumbass in the unit. Makes sense. Only an idiot would be brave enough to pull off those moves. I'll guide you back to Air Force Base 444, though I doubt you have enough gas to make it. Appreciate the help. Will he be at the base? I wouldn't get involved if I were you. Ok, c'était pas évident comme mission. L'atterrissage. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Genre, on va faire ça. Et ça. Voilà. On va aller caler en fait. Yes, calé. Ok, là je suis bien calé. Voilà. Bon, pas évident quand même. Great work. Nice job in not ruining a good plane. Your work's still far from done. Stand by for further orders. The crew said the enemy had one mean son of a bitch flying for him. Our team had a few Air Force hot dogs, real experienced pilots. But this guy swooped in like a hawk, locked on, and took them all out in the blink of an eye. Reminds me of a story Gramps told me once. He said a little while before he retired from active duty, he saw an enemy fighter wipe out an entire formation right in front of him. It was like seeing how a shark works when it's going after its dinner. This enemy pilot stalked Gramps' pals from below, just like how a shark would. Then one by one, he put the bite on them. Sounds like what happened to our guys today. Kind of surprised so many made it back alive. I bet when they saw what was going on, they broke formation and left their buddies to the shark. Hang on. There's three extra planes here. They're foreigners too. Putain, cette mission n'était pas du tout évidente quoi. Enfin, je veux dire, c'est la première fois que je tombe sur une mission dans Ace Combat aussi compliquée. À part quand tu m'attaques, enfin, à part dans Ace Combat à Horizon, enfin, je veux dire, il y en a pas mal, mais le jeu est dynamique, donc c'est ce qui fait qu'on arrive quand même à s'en sortir. Mais là, entre les éclairs, les cibles et compagnie, puis les avions qui sont arrivés, l'escadron d'élite qui est arrivé, franchement. Enfin, je veux dire, c'était chaud, quoi. Well, well, what do you know? Pilots made it back to base alive. Treat them well, and feed them plenty. After all, we have to get a favorable report out of them. I've spent enough of my time being the commander of some worthless penal unit. Voilà, c'était pas vraiment évident, quoi, je veux dire, comme mission, donc... on va faire suivante, tranquille, voilà. On va peut-être faire mission suivante, mais on va peut-être pas la démarrer. Chance to talk to one of the pilots that escaped back here, so I took it. Apparently, two of our planes took the enemy on alone. They covered the Allies so they could retreat. The hell kind of idiot does a thing like that? The last pilot to land back at the base was that scrawny anarchist dude. He always had this dumb grin on his face. Like he didn't give a damn about whatever he did to get thrown in here with the rest of us. Was he the one who went gung-ho? I bought him a drink later. After the usual small talk, I turned the topic around to the mission. For an anarchist, he struck me as a bit weird.
Nothing like what I expected. He talked a mile a minute and kept going on and on about library books. Not encyclopedias, those cheesy adventure novels you read in high school. Nothing against those. I like a good story myself once in a while. But I wasn't here to talk books. I remember that day well. Amidst the swirling clouds, a fighter squadron was trying to help its allies reach safety. He's pretty foolish, isn't he? I thought so too. Suddenly, a highly skilled enemy fighter squadron appeared and began picking them off at the edges. One by one, they fell right out of the sky. Although, I guess there was nobody around that was even more foolish to go to their aid then. So you simply watch things unfold from a distance. Yeah. I mean, who would have ever thought that I'd just go and follow them straight into the enemy squadron like that? After what felt like decades, I finally got to the info I was looking for. He wasn't the guy. He said he was just following his wingman's lead and managed not to die somehow. The hero on this mission was the new guy. The one that killed Harling. How did you feel? I'm still kind of shaken up, actually. But you know, I do feel a certain sense of pride, too. He really is foolish, isn't he? Yep, he sure is. I went to the hangar to have myself a closer look at Trigger's plane. I knew that burnt smell. That's what happens when an engine's been driven to its limit. This pilot was a hot dog. From now on, I was gonna keep my eye on this idiot. From a distance, though. I didn't want to get too tight with someone who was a better pilot than my dad. Even so, I decided to give this guy's plane a little bit of the old Avril magic touch. He needed all the help he could get. Pipeline destruction. Donc du coup, en fait, elle va s'occuper de nous. Et on en parlera après le débrief. Attention! If you disobeyed orders in the previous mission, line up over there. You won't disobey a second time. Do not test my patience. The biggest threat to our forces is the enemy's enormous swarm of drones. In order for our forces to penetrate deep into Arusian territory, we'll need to clear a path. You will destroy the enemy's fuel plant. HQ has found evidence that fuel is being moved intermittently inland from a refinery at the harbor in Artiglio. It's likely they're supplying fuel for the various drone bases. Those of you whose food privileges were taken away already know how this goes. We silence the drones by taking their fuel. Enter via the estuary, take out their AA, destroy the fuel points on both sides of the river and their oil tankers. Remember, you're not bona fide military. You're expendable. Ok, donc on doit détruire une réserve de carburant, tout simplement, qui permettra d'arrêter les drones de survoler et de venir casser les hein, voilà. Pour en revenir à la cinématique, du coup, c'est Heavy qui s'occupe de notre avion. Parce que c'est nous, Trigger, hein, en vrai, dans l'histoire du jeu. Donc c'est plutôt gentil de sa part, mais bon, apparemment elle a trop de fierté pour nous adresser la parole, parce qu'apparemment on est autant meilleur pilote que son père. Donc écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, de toute façon elle finira bien par nous parler à un moment donné. Hein. Donc, vous avez obtenu une nouvelle amélioration spéciale de la reine. Bon, enfin bref, on s'en fout. Donc, je pense qu'on va arrêter l'épisode numéro 4, je crois, ou 5, je sais plus quel c'est. Je crois que c'est le 5. On va arrêter notre épisode 5 ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme vous le savez, j'ai filmé 2 épisodes d'avance sur vous, donc je pourrai prendre en compte vos retours s'il y en a, qu'à partir de la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, je vous donne rendez-vous vendredi pour un live sur Assassin's Creed Odyssey sur YouTube, à partir de 22h jusqu'à minuit ou plus, on verra. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, comme je vous disais, prenez soin de vous et à bientôt, salut.